Laissez jouer le scorpion! Salut à tous! Dixième partie de l'aventure Oninaki! Donc, on continue là où on s'était arrêté précédemment. On est dans le désert de je sais plus quoi, dans l'Oni, le monde de l'Oni. Et on va aller guerroyer un boss. Ok, ah. Oups. Oups. La violence. Ça s'esquive pas, ça. Bon, ça a commencé facile. Bon, lequel faut taper pour qu'il perde la vie, le boss? C'est la tête, ouais, c'est ça. Ouais, c'est n'importe quoi. Bon, on va en casser un. Voilà. Bon, une fois qu'on a éliminé le lance-missile, facile. Si je fais pas de bêtises. Bon, reste plus que la tête. Bon, pas susciter tout le monde. Alors, je sais se soigner. Mais non. Les compétences s'éveillent. Bon. Ah, il est mort. Ah.
J'avais pas tué de boss avec Lilican. Et cool l'animation. Kakachi, toi tu restes ici. Non, je viens avec vous. Il est crucial que tu survives. Tu dois raconter l'histoire de cette bataille. C'est le rôle que tu as à jouer aujourd'hui. Mais... c'est l'ancienne prêtresse. Le moment est venu. L'Oni se réveille. Êtes-vous les premiers sacrifices? Qui es-tu? Je suis l'Oni, fait de chair et également sa gardienne. Je suis la princesse Oni. Pourtant, il n'y a aucun garde près de toi. Pourquoi te présentes-tu à nous ainsi sans protection? Je suis le seul Oni de ce royaume. Donc, il n'y a pas d'autre? Vous doutez? Je ne dis que la vérité. Je ne suis qu'un être caché parmi votre espèce. Aucun humain n'a deviné ma vraie nature. Vous souhaitez voir par vous-même? Alors préparez-vous à combattre, car vous devez me vaincre. Tu trompes les humains pour nourrir l'Oni? Quelle naïveté. En menant leur petite vie, les humains créent le désespoir. Je n'ai besoin de tromper personne. Ce royaume lui-même n'est qu'un berceau de vie humaine érigé au-dessus de l'Oni. Ah, enfin. Le moment est venu. J'ai hâte de vous voir peiner, brave guerrier. Grand Oni, aie confiance en ma descendance lorsque tu t'élèveras à nouveau. Suis-je libéré de l'illusion? Je vois que tu as réussi à ne pas te faire absorber par l'Oni. J'ai vu une lueur d'espoir disparaître dans les ténèbres. Mais tout est enfin clair, j'ai compris qui détient la vérité à propos de ce royaume. Je dois retourner dans le monde des vivants, quoi qu'il en coûte. Je comprends. Mais dis-moi... mon espoir était-il parmi ceux de la lueur que tu as vu s'éteindre? Comment tu t'appelles? Leshan. J'aurais dit Luto, mais... laisse-moi réfléchir. Ah! Oui, je l'ai vu. Ton espoir qui se meurt. C'est vrai, c'est incroyable qu'il ait resté aussi longtemps. L'Oni remue. Il le fait chaque fois que le mal grossit dans le monde des vivants. Une grande bataille doit être en train de se préparer. Oh, ça a enfermé la princesse. Est-ce qu'on va la jouer? Eh ben non. Oui, je le sens. Je dois rentrer aussi tôt que possible. Y a-t-il un moyen de repartir? S'il y en a un, tu dois faire vite. Tu portes nos espoirs en toi. Je sais que tu peux y arriver. Ah oui, depuis quand? Tu nous as trouvés, n'est-ce pas? Tous ceux qui avaient perdu espoir ont dû t'en conduire ici. C'est là que va l'espoir, pour s'éteindre. Donc nous rejetons l'espoir et embrasons le désespoir. Nous suivons la chaîne à l'envers, puis te renvoyons dans l'au-delà. Allez!
non, pas un gros. Pierre de plus. Il en faut 33. Je veux au moins réussir à compléter un arbre de compétences d'un personnage avant la fin du jeu. Arrête tes cris. Oh non. Et une pierre de plus. Youhou. Faut que je me dépêche, sinon ils vont l'exécuter. Voilà, j'étais pas devant lui. Ouais, boy. Thank you.
Ok, je vais dedans. Ok, là ça compte comme une attaque. Des cris, non. Et niveau 62. Je veux rien manquer. Bon, il n'y avait rien pour tout. Allez, nouvelle étape. Boss. Les chaînes de l'espoir. Suis cette chaîne, elle te ramènera dans l'au-delà. Je sais que tu peux y arriver. Oh non, 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 pas. Oh non, il était chiant ce boss-là. Non, ils sont tous déchus. S'il te plaît, je t'en supplie, libère-les de leur angoisse. Ça c'était pas utile. Combien d'attaques il fait? 4. Déjà que le boss est chiant, alors on a 3 ennemis à la fois. Oh.
Un de moins. Ouf. Bon, il n'y a plus que le boss. Ah, il m'a touché. Ah, attaque pas dans le vide. Ben dis donc, je vais poigner tous les trucs de réveil pour ce skill. Ah, une mouche. Mon père, mes amis. Allons-y, je ne serai peut-être pas très utile, mais je vais faire ce que je peux. Ah, ça, toutes les chaînes. Nous avons réussi. Voici l'au-delà. Je savais que tu pouvais y arriver. Merci, Kagachi. J'avais raison de fonder mes espoirs en toi. Non, Lishan, c'est toi qu'il faut remercier. Oh, allez, je serais heureux si je pouvais seulement me rappeler comment c'est. Dis, Kagachi, tu crois que je te reverrai dans la vie suivante, là où l'Oni n'existe pas? Absolument, j'en suis certain. Bien, j'attendrai. On est de retour. Allez, faut se téléporter au château. Ah non, dans la ville seulement. Je ne peux pas laisser ça à la mourir. Je ne peux pas la laisser la tuer. Pas encore. Zut. Ah, puis je suis dans l'au-delà, genre tous les coups sont des coups critiques. Autant pour lui que pour moi.
manquer de vie, moi. Ouf. Ouf. Ah, ça l'a pas fait tomber. Bon, j'espère que ce sera pas la perte de temps qu'on aura qui va nous empêcher de sauver Sarah. Bon, on est où? Sauvegarde là-bas et téléport. Ok, donc on est revenu comme au début. Ah, juste j'ai plus de potions moi. Au début du jeu, on faisait 4 de dégâts, je crois. Allez, cours plus vite. Pousse-toi de là. Je veux connaître la vérité. Dis-moi, c'est quoi la réincarnation? Pourquoi est-ce que nous nous sommes battus en envoyant des gens dans l'autre, de l'autre côté? Nous nous sommes battus pour protéger quoi? C'était pour qui? Pour ça? C'était pour quoi tout ça? Réponds! A priori, ce serait ça là. Soju, mon cher frère, je m'étais résigné à accomplir mon destin de prêtresse si tu ne découvrais pas la vérité. Toutefois, tu ne m'as pas déçu. Je savais que tu le ferais pas. Que tu ne le ferais pas? Il fallait que tu saches tout. Ah. Fallait bien que la soi-disant gentille soit méchante. Je t'attendrai dans la salle du trône. Retrouve-moi là-bas car j'aimerais beaucoup entendre ta réponse.
Mais là, si elle est morte dans le futur. Dans le futur. Comment l'Oni peut quand même vivre si c'est elle qui l'invoque? Ou alors elle est pas vraiment morte. Puis elle voyage. Bizarre tout ça. Ben. Je viens de terminer les pratiques de ma prochaine formule. Tu as une arme, n'est-ce pas? Voyons ce que nous pouvons faire avec ça. Une formule, c'est pour transformer. Voilà, on a quoi? Attaque, affinité, faible, soin, plus, plus, chevalier. 83 d'attaque. C'est les valeurs, il faut 840. Je sais pas si les formules vont donner les meilleures armes. Plus drop d'épée. Alors, selon les matériaux utilisés, la transformation, tu peux tenir un bonus qui affecte la liste suivante des candidats à la transformation. Drop augmenté. Augmente les chances de drop d'armes uniques pour chaque type d'arme. Ah. Et arme améliorée. Ajoute une arme améliorée à la liste de transformation. L'emplacement ombre roche plus augmente le nombre d'ombres roches pouvant être serties dans un objet. Raffinement augmente les chances d'obtenir des armes et des ombres roches que tu n'as pas comme possible transformation. Catalyseur confère des effets spéciaux lors de la transformation. Ok, donc ça vaut quand même la peine de les échanger. Ouais. Équiper ombre roche. Sur celle-là, c'est intrépide, diminue la défense pour une augmentation énorme de l'attaque, ok. On va s'attaque plus, et puis attaque de base, attaque compétence plus. Voilà. Ça c'est pas très grave. Les dagues. Hop. Résistance au poison. On va le changer pour attaque compétence plus. On va mettre attaque tout court. Puis. PV max, non. Soin plus, non. Quelque chose qui soigne quand on frappe. Affinité plus. Durée d'éveil, furtivité. Ajoute assassinat d'attaque. Les ennemis ont plus de mal à détecter le porteur. Augmente les chances de coup critique, oui. Et ça, c'est nécrotop. Non, on va mettre celle-là. Ok. Puis. Ah, j'ai une vanité avec 3 places. Attaque. Attaque compétence. Un drop de pierre d'âme plus. Ouais, tu vas mettre ça. Puis, esprit glorieux. Non. Concentration plus augmente l'attaque en fonction du temps écoulé depuis l'attaque précédente. Ah, ok, ça c'est quand tu mets. À attaquer, attaque lumière, attaque debuff, attaque réaction, martyr. Augmente l'attaque même si les dégâts sont aussi subis pendant en attaquant. Intrépide. Augmente la puissance des attaques en fonction du nombre d'activations consécutives de compétences. C'est pas mal parce que j'utilise beaucoup les compétences, ça se recharge vite avec Zephyr. Et défense plus, ouais. Et normalement, elles sont déjà améliorées au max. Ah non, pas améliorées. On peut juste en sectionner 8 à la fois.
111. C'est pas mal. C'est pas la bonne arme que j'améliore là. C'est laquelle? Non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là non plus. C'est celle-là. Et puis. Vanité, c'est fait. J'ai raté les dagues. Ah, ici. Et c'est celle-là. Ouais. Ouh, ça améliore de beaucoup ça là. Allez, on continue. Oups. Ah. Cent trois. Une petite sauvegarde. Niveau 62. Allons à la salle du trône. Tu connais le seigneur Léo? Bien sûr que je le connais, pas vrai? Ah, que tu le connais pas vrai, il est tellement beau et intelligent parfois sous tous les angles. Je suis sa plus grande fan, tu sais, je ne pourrais pas partir avant sans l'avoir vu une dernière fois. Tu dois m'emmener auprès de lui vite, sinon je ferai une scène. Ok, donc là il faut que j'aille voir Léo. Je sais même pas où il est. C'est l'autre entrée. Je sais pas si là que je devais aller, mais je pense que oui. Oh, ça a tellement boosté l'attaque là. Je sais plus, oui c'est ça.
Ah, la dernière compétence, infinie. Maintien appuyé, faut activer une série d'attaques téméraires. La puissance augmente en fonction du nombre d'attaques lorsque les ennemis sont actifs, restaure des PV lorsque manifestés. Eh ben, on va mettre ça tout de suite. Et je pense que ça va remplacer tumulte. Rang 9. Donc c'est rang 10 le maximum. Ok. Hop, ici. Alors, valorisation. Ça, on le garde. Percée. Perce la défense et réduit la fixité de la défense lorsque tu actives une compétence. Criticité. Ça, on le garde. Restauration. C'est pas génial, on va voir. Augmente la vitesse de déplacement lorsque tu augmentes cette lane. Affaiblissement. Réduit la défense lorsque la compétence atteint l'ennemi. Destruction. Augmente la task lorsque les compétences atteignent l'ennemi. On va mettre destruction. Et ça c'est 3. Et puis 5. Plus tu as de pierres de lame jumelle, plus les attaques de compétences infligent de dégâts. Ça applique après avoir obtenu toutes les compétences de dégâts. Ah. Donc plus tu vas jouer Ligan, plus tu vas accumuler des pierres et plus tu vas faire mal. Allez, on s'essaye. Ouais. Ça a pas bien marché, hein, fini. Bon, bien sûr, il fallait que je pogne une meilleure arme. Ouais, ça fait mal, hein? Ça fait mal. Il y avait un voleur de vue tout à l'heure. Bon, le palais a l'air d'être immense. Ça a rien de tout casser, bon, ça a l'air d'être le bon chemin. No Mimtama. Plus les PV chutent, plus les attaques sont puissantes. Quelle
Alors. Voyons voir l'arme de Griffon, que ça donne. 86. Bon, c'est sûr qu'améliorer, ça serait mieux. Mais pour le moment, c'est moins bon. Ah, je peux pas aller plus loin. On va aller retourner en arrière. Donc j'avais eu 13 pirates tout à l'heure, donc normalement il m'en manquait. Il m'en manque plus que 20. Et niveau 63. Et voilà le voleur de vue. Pierre universelle. Oh, 4000 de dégâts. Bon, il faudrait pas mourir non plus. C'est le début. Fais-moi du dégât. Oui. Ah ben oui, ça marche aussi pour les monstres. Je viens juste d'y penser. Allez, enlève ton bouclier. Eh ah bah j'ai fait mon plein de potions. Poison plus plus. Continuons.
Boum. Et je fais un petit retour ici, parce que c'est ici qu'on s'arrête pour cet épisode. Alors, merci de me suivre sur ce let's play et je vous dis abonnez-vous si vous voulez toujours rien manquer. Et puis, le pouce bleu pour assister à cette fin bientôt. Et je vous dis à la prochaine aventure. Ciao, bye bye.